dire qu'on a été infecté directement. Non, on est bien protégé, on n'a pas eu de soucis, les activités tournent. Donc, bien sûr, on est là pour collaborer avec tous les différents organismes, les différentes compagnies. On a eu un très bon response. On est ici, Fer Marine, une plaque logistique pour recevoir justement les différents outils qui ont été mis en place pour aider la population locale. Donc on contribue d'une certaine manière, tout le monde est uni, tout le monde se serre la main pour justement parler. Justement, on a fait ce qu'il fallait pour protéger, on continue à le faire parce que le risque est là. Le bateau est toujours là, tant que le bateau est là, tant que le pétrole est toujours là, automatiquement on va continuer à faire attention jusqu'à ce que tout soit, on va dire, sous contrôle. Et maintenant, et après on s'attardera, on cherchera quelles sont les conséquences indirectes, qu'est-ce qu'on va trouver exactement. Actuellement en mer, 3800 tonnes de poissons en mer. Et ça fait à peu près 2,8 millions dans 100 cages réparties. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc c'est pour ça qu'on a développé